Globe Reporter, c'est un projet porté par des journalistes, des enseignants et des concepteurs de l'univers numérique. Chacun est dans son domaine de compétences, chacun sur son terrain de travail. Et c'est cette synergie entre ces trois univers professionnels qui nous semble aujourd'hui nécessaire pour répondre aux enjeux de l'éducation aux médias, faire face à cette info-obésité qui plonge les jeunes dans beaucoup de perplexité. Et donc nous leur proposons avec Globe Reporter de comprendre cela en co-réalisant des reportages entre jeunes et journalistes. Pour m'être intéressé à avoir pratiqué l'éducation aux médias dans le cadre de mon métier d'enseignant pendant un certain temps, à travers des institutions comme le CLIMI ou le CRDP, l'ancêtre de Canopé, et à travers des collaborations avec des journalistes, je me suis intéressé lors de l'arrivée des médias numériques à ces nouvelles pratiques, et le projet Globe Reporter a semblé à ce moment-là être une réponse aux questions que les enseignants pouvaient se poser sur les nouvelles pratiques de leurs élèves dans l'explosion des médias numériques. Et en cela, le projet Globe Reporter nous a fourni effectivement un support extrêmement intéressant pour pouvoir développer des nouvelles pratiques pour les enseignants et pour les élèves à travers les outils numériques. Quand Alain et Eric m'ont parlé du projet, j'ai tout de suite vu l'intérêt donc du numérique au cœur de Globe Reporters. À titre personnel, je me suis embarquée dans cette aventure avec engouement parce que j'ai été séduite par les retours des enseignants, des journalistes, hein, des élèves et aussi par la qualité des documents produits d'une part par les journalistes mais aussi par les travaux des élèves qui sont remarquables. Aujourd'hui, le projet Globe Reporter, c'est 10 ans d'expertise marqués par un certain nombre de campagnes. C'est la reconnaissance des autorités de tutelle comme le ministère de l'Éducation nationale avec un agrément et le ministère de la Culture par son soutien. Mais c'est aussi une équipe qui, depuis 2 ans, se prépare au changement d'échelle et est persuadée que le projet Globe Reporter peut connaître un développement beaucoup plus important. Pour accompagner ce développement, il nous faut mobiliser plus de compétences. Mobiliser plus de compétences, donc avoir plus de moyens financiers. C'est une de nos attentes concernant La France s'engage, mais pour nous, La France s'engage, c'est bien plus. C'est avant tout une caution morale. Et c'est grâce à fort de cette caution morale que nous pourrons continuer à développer Globe Reporter, qui est un projet d'éducation média, certes, mais bien plus que ça, une aventure pédagogique, un projet d'éducation à la citoyenneté et qui se fixe pour objectif de mieux vivre ensemble dans un monde de plus en plus médiatisé.